Bonjour les amis, c'est Mutra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve pour une nouvelle soluce donc dans Zelda Tears of the Kingdom. C'est le sanctuaire de Molonku. Bon, voilà, ou Lonku, je sais pas comment on dit. Et voilà, comme toujours, si on vous fait une soluce, c'est qu'on se dit que ça pourrait vous aider. Et si vous la regardez, c'est très certainement parce que vous avez besoin d'aide. Alors, comme toujours, je le répète, c'est ma soluce, c'est peut-être pas forcément celle d'autres, mais voilà, c'est celle que je trouve la plus simple. Donc on est là, on est face à un système de ressorts. Vous pouvez soit taper dessus avec votre arme, soit lancer des flèches pour activer le mécanisme. C'est selon. Donc là, vous voyez qu'on a besoin une fameuse boule. Et en regardant alentour, on voit qu'en face, il y a une structure. On approche le ressort le plus près du bord possible. Et on va jusqu'à la plateforme en face. Donc là, il va falloir prendre le nouveau trampoline ressort, le placer un peu en biais. Pourquoi? Pour pouvoir accueillir la boule qu'il y a sur le côté et l'éjecter jusqu'à la plateforme en face. Donc on la colle pas cette boule. Hein. Alors si vous avez un peu de mal parce qu'elle va rouler, n'hésitez pas voilà, à envoyer une flèche. C'est plus simple que d'aller taper dessus, étant donné que la boule se déplace rapidement, tombe rapidement on va dire. En plus vous récupérez la flèche hein, vu que... qu'on a quand même du mal à en avoir. Ensuite, allez, paravoile. Donc comme vous le voyez, en plus un nom, la paravoile, j'ai choisi de mettre la paravoile Piaf que vous obtenez avec l'amiibo Revali. Si ça vous intéresse de connaître toutes les paravoiles, n'hésitez pas à aller vérifier notre article des blocs des amiibo. Voilà. Je dis ça au passage, ça coûte rien. Allez, on replace le ressort ici. Là, vous voyez, il y en a deux. Ça ne sert à rien de les utiliser là. Il faut les déplacer. Il va falloir faire un collage avec le troisième. Faites bien attention qu'il ne soit pas utilisé, c'est-à-dire que vous n'ayez pas tapé dessus. Il faut qu'il soit en position de... pas avoir été utilisé. Donc là il y a un coffre, on vous montrera pas toujours dans les solutions où se trouvent les coffres, mais là en l'occurrence c'est pas trop compliqué. Donc allez, on redescend, on va faire le collage là dont je vous parle. On va remettre en position stop cette structure. Et on fait le collage. Voilà, on l'a mis en hauteur. Ça, je sais pas si c'est nécessaire, mais bon, ça fait gagner quelques centimètres. Allez, et go. Et voilà. Donc voilà. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, si vous avez une autre solution, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Bye bye les amis.